Le cercle des poètes disparu, passant la veille sur la troisième chaîne. Elle avait écrit au correcteur sur sa trousse en dents Carpe diem. Je me souviens de celle qui m'avait fait changer de place et apprendre l'humilité, qui à l'élection des délégués de classe aurait fait l'unanimité. Mais c'était la nouvelle qui débarque au beau milieu de l'année scolaire, fatale, parce que ses parents ont dû déménager, quitter leur Finistère natal. Elle s'appelait Marie, Martine, Isabelle ou Solange, avec un drôle d'accent, des expressions étranges. La fille qui venait de loin, on ne peut plus exotique, avait sur la troisième cinq semé la panique. C'est un amour de collège, un fantôme du passé, qui vous revient au petit-déj, une icône du lycée. Le temps fait des siennes et reprend ce qu'il sème. Carpe diem.